Salut Sexel, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je rejoue un petit peu en survivant et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un top 5 des meilleurs brawlers en survivant actuellement. La méta, elle a un petit peu changé. Vous allez voir, c'est très très agressif la nouvelle méta. Et du coup, je me suis dit, je vais vous donner les 5 brawlers que je préfère jouer dans ce mode. C'est parti. Et du coup, en top 5, on va retrouver Jean. Alors, Jean qui est pas un brawler très agressif, mais par contre qui arrive à bien contrer les agressions grâce à son gadget, notamment qui permet de repousser un petit peu tous les brawlers qui vous sautent dessus en ce moment. Il y en a beaucoup, et vous allez voir, il y en a beaucoup dans ce top. Donc, du coup, le Jean, c'est une bonne arme à ça. Alors, attendez, il y a une Tara qui est en train de faire un massacre ici au niveau du centre. Hop, ok, elle est rentrée dedans. Ici on rentre un petit peu. Voilà, si on peut essayer d'aller récupérer un petit peu. Ok, on a mis des bons dégâts à la Tara quand même. Ok, on essaie de lui cancel sa régène à la Tara. Hop, attention Léon. Allez, elle est morte. Parfait. Ça c'est le petit kill qui était important ici pour reprendre le contrôle de ça. Hop, on va récupérer ça. Ok, let's go. Faisons attention. Hop, ok, ça c'est bien ça. Hop. Ok, nice. On peut lui mettre beaucoup de dégâts. Oh, ça c'était moche. Oh, c'était moche, mais ça passe. Est-ce qu'on va pouvoir le finir? Est-ce qu'on... Oh oui! Les petites attaques pour finir. Ça c'est parfait. Ça c'est parfait. On est très très bien. J'ai un petit peu raté mon ulti, mais là, on a fait un gros massacre. On a 10 d'énergie. Pop. C'était limite. S'il avait eu un clone, j'étais mort. J'étais mort de chez mort. Salut, Bo. Eh ben écoutez tranquillement le premier petit top 1 avec notre top 5. Le Jean, franchement efficace. Et encore, là on n'a pas eu beaucoup de brawlers qui nous agressaient, donc on n'a pas pu utiliser nos gadgets. En top 4 de ce classement, du coup, on va retrouver Léon. Léon qui est très très fort contre les membres du top 5. Donc franchement efficace dans la méta actuellement. On va essayer d'aller au centre pour récupérer quelques petites énergies, ça peut être intéressant. Ok, on récupère une énergie ici, récupère une deuxième. Ok, ça nous met bien pour un start efficace. On va lâcher ça juste pour un petit peu embêter le dynamique. Hop, faisons attention au Daryl. Ah, attention, j'ai eu un auto-shot raté là. J'ai eu un auto-shot pour viser la caisse, mais en fait il est parti sur le Daryl, c'est ma faute. Ouh, le Brock qui nous a fait mal par contre. Ça peut être dangereux, faisons attention. La méga roquette qui est partie. On va essayer de passer par là tranquillement. Hop, ouais, salut quoi. Ok, on lui a mis la misère. Hop, on va faire attention à l'Anita. Très bien. Oh, l'Anita qui prend pas mal de dégâts. On a réussi à récupérer notre ult, donc ça c'est intéressant. Faisons attention au Daryl, on sait qu'il peut nous agresser si besoin. L'Anita ici qui est là. Dynamite, Daryl. Ok. Vas-y, mettons la pression ici. Voilà, Anita ici qui devrait. On va se mettre en auto-shot. Ouais, il fallait que je lâche l'attaque pour passer en auto-shot ici. Efficace. On va sortir pour aller chercher Dynamite. Désolé Dynamite. Hop. Oh, il m'a stun quand même. C'est pas mal. Il reste le Dynamite et le Daryl. Et là, on va être... On va être sur un top 1. Sur un top 1 avec un bon massacre. Hein. On a fait pas mal de petits dégâts. Faut juste voir comment il s'entretue ici. Hop. Allez, tiens. Ah, t'es déçu quand même là, Daryl. Ah, ils vont quand même teamer. Ah, ils vont quand même teamer. Ok. Faut que je fasse attention. On va essayer de lâcher la petite attaque ici pour... Il est en train de... Ah, il est en train de s'entraîner. Le Daryl, il était en mode, je veux pas finir troisième. Alors que le Dynamite l'a sauvé. Hein. Regardez, les gens n'ont pas d'âme. Regardez, cet homme n'a pas d'âme. Allez, hop. Ça dégage. Et bah ouais, Léon, bien sûr, Léon, top 4 de ce classement. En top 3 du classement, du coup, on enchaîne sur une autre légendaire. Spike extrêmement bon dans la méta en survivant solo. En tout cas, en survivant solo, quand vous voulez pas teamer, hein, bien sûr. Si vous cherchez des brawlers pour teamer, bah 1, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, et 2, faut jouer El Primo. Voilà. c'est dit, mais ne le faites pas, hein, bien sûr. Hop, on va récupérer la double caisse ici. On va se mettre un petit cactus ici, quand même. On va faire le tour. Oh, il est mort. Ah, il peut rien faire. Hein. Dites-vous que Brock ne peut rien faire contre nous. En termes de burst, on est sur l'un des brawlers qui a probablement l'un des plus gros bursts qui soit. Regardez, hop, le petit Léon ici qui tente de nous casser notre cactus. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il voulait faire à mon cactus? Il est fou, lui. Don't touch my cactus. Ok, on a un Stu. On a un Stu. Stu, très très bon dans la méta actuellement. Je vous spoil, il est dans le top 2. Donc vous allez voir, on peut faire du gros massacre. Alors là en plus, on a deux Stu. On a deux Stu à affronter. On va se mettre ça à l'arrière. Tranquillement. On va récupérer notre énergie.
On va prendre notre temps. On va pouvoir le DPS à distance un petit peu, ce Stew là. Hop là, ouais, c'est. En burst, deux attaques et on a dégommé le Stew adverse. Oh, attendez. Attendez, on va essayer d'aller dégommer le Stew en premier ou pas? Stew ou Arcade en premier? Je ne sais pas. Oh, bah ça va être le Stew, hein. Hop, allez, on va lui mettre la pression. Oh, c'est même pas moi qui l'ai eu. Et l'arcade pour finir. L'arcade qui peut pas faire grand chose non plus. Hein. On a 13 d'énergie avec notre Spike. Spike, top 3, franchement excellent en ce moment. Notamment contre la méta actuelle, vous allez voir le top 2. Spike, il est pas mal contre lui. Le top 1, vous allez voir, le top 1 c'est un brawler qui est complètement insane, on peut rien faire contre lui. On enchaîne du coup sur le top 2, j'ai nommé Stew, voilà, je vous l'avais dit juste avant, extrêmement fort Stew, hein. Le brawler je pense qu'il a la meilleure mobilité dans le jeu, il fait des trucs insane. Bon alors, il y a beaucoup de teamers, faites attention, hop, allez dégage-toi. Alors le gros problème c'est justement ces gens là, hein. Regardez-moi ça, ces gens là qui ne veulent prendre aucun fight. Voilà, le mec dépense même des gadgets pour taper dans le mur, hein. On en est là dans le degré d'intelligence des gens. On va essayer. Ok. Hop, voilà, ça dégage, ça t'apprendra petit El Primo activé. Vous avez vu, on peut faire quand même des trucs, même contre les teamers, il suffit d'avoir un petit peu de volonté. Allez, viens par ici. Allez, hop, dégage. Voilà, hop là. Un teamer de moins. Tous ces gens-là, je les aime pas. Là, par contre, on peut pas trop aller mettre la pression sur la Shelly parce qu'on a plus qu'un gadget. J'aimerais bien le garder pour la suite du fight. Par contre, je sais pas trop ce qui se trouve dans ce buisson. Ok, faisons attention. Allons chercher la Bibi. Voilà, on va prendre notre temps, on va aller chercher la Bibi ici qui est en team avec la Max. Hop. Voilà, c'est parfait. Ok, alors bien sûr la Bibi on va la détruire. Hein. On va la détruire, ça lui apprendra de teamer. Hop, ok, on essaie de la séparer de la Max. La Max il prend des petits dégâts quand même, hein, en attendant, ça c'est bien. Hop. Ok. On va quand même aller chercher la Bibi. C'est moche, hein. Je suis désolé ce que je suis en train de vous montrer là comme game. Je suis obligé de faire de mon mieux. Ok, ça me va. Oh, nice, la Max, elle a pris pas mal de dégâts ici. Hop, on va essayer de l'ignorer. Ils sont rentrés dans le buisson ou pas, les mecs? Ok, allons chercher la Bibi. Il est où le dernier? Ok, nice, parfait. Faisons attention là, on peut se faire rush. Heureusement, bah, généralement on s'est déplanqué donc du coup ils osent pas rush. On va essayer. Ok, nice. Oh oui, hop. Allez, hop. Voilà. Voilà les planqués. Voilà les tireurs. Ça dégage parce qu'on a Stew. Top 2 de ce classement. Et encore, on n'est même pas sur le top 1. Vous allez voir, le top 1, il est juste beaucoup trop fort. Et justement, le top 1, c'est lui, c'est Surge. Extrêmement fort. Il a toutes les armes pour contrer justement les adversaires de ce top 5. Il a son ulti qui est juste cheaté, hein. L'ulti c'est juste cheaté. La téléportation c'est extrêmement fort. On va tenter quand même d'aller au centre là peut-être. Ah, ça va être compliqué. Salut toi. Ok. Là il y a des gens qui sont en train de s'entretuer. C'est bien ça. La petite Shelly qui va tenter de s'échapper mais sans succès. On va pouvoir récupérer le boost de vitesse. Le seul gros problème de Surge, c'est la vitesse en début de game. Là, j'ai eu mon boost assez rapidement. Maintenant, je suis une machine. Bon, je suis un robot en fait, mais je suis une machine à tuer les adversaires. Regardez, hop. Et ça peut rien faire. Alors, j'ai que 3 téléportes, donc on va faire attention quand même. Mais regardez. Voilà, hop. Ça dégage. C'est n'importe quoi ce Surge. Et en fait, le truc, c'est que même les teamers vont avoir du mal contre vous parce que vous avez pas mal de trucs pour les esquiver, notamment vos ultis qui sont très très forts. Voilà, hop, ici on touchote le pauvre petit Dynamite. Ici on va aller bien sûr chercher le El Primo, hein, bien sûr, qui se cache tranquillement. Hop, salut toi. Voilà, hop. T'es pas foutu. Il va m'embêter, mais on va quand même aller le chercher. Allez, ça dégage. Je vous dis, Surge. Surge, c'est beaucoup trop fort. Alors, vous allez voir, vous allez en rencontrer quand même quelques-uns. Ça va être chiant quand vous allez en rencontrer parce que
Bah c'est compliqué de jouer contre un. C'est compliqué de jouer contre. Regardez moi ça, cette portée, les dégâts qu'il fait. Lui il tente même pas le fight. Il tente même pas le fight le buzz. Qu'est-ce que tu veux? Allez, regarde, je t'écrase mec. Tu peux rien faire. Moi je vous dis, Surge, il est ultra cheaté. Alors après, vous allez voir, vous n'allez pas pouvoir non plus monter 1250 tout simplement parce que à partir de 700, 800 trophées, vous allez rencontrer que des teamers partout. Moi, ce que je vous donne, c'est un top des brawlers pour vous amuser en survivant sans teamer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre like, à vous abonner, bien entendu. Merci pour tous les gens qui s'abonnent, ça fait extrêmement plaisir. Et bien sûr, le petit code créateur Axel dans la boutique si vous achetez des offres au shop, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt, des bisous à tous, bye bye.